spectacle désolant. On ne sait quoi faire ici à Ouagadougou. Au moment où nous ne sommes pas préparés pour notamment payer nos loyers. Depuis Brazzaville, on était conscient qu'on devrait vivre dans des maisons que la douane devrait supporter. Mais là, on nous a mis dehors pour ne pas avoir payé ce loyer. Quelqu'un peut lâcher. Oui, mais quand la douane arrive à prendre des engagements qui n'ont pas leurs engagements, ça dissout vraiment un état comme le Congo. Devant le directeur de l'école de douane ici. Là, nous sommes dehors. Nous sommes en train de faire sortir nos effets. On ne sait pas là où nous allons dormir cette nuit. Donc, nous sommes dehors à la merci de la nature. On ne sait pas comment on va faire cette nuit, ce matin. Abandonné par nos autorités, par notre administration. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils ont les pierres à la place des queues? Comme ça, dans un pays étranger, qu'allons-nous devenir? C'est une honte pour le Congo. Surtout que nous sommes. C'est pas de nous qu'il s'agit, mais on représente. Nous représentons la nation, il faut dire. C'est la nation, une direction donnée. Et cela se passe à quelques pas de l'école. Donc nos amis de l'école sauront que nous ne sommes plus ici. Ils sont déjà formés. Mais non, comment ça? La plupart d'eux que les jours passés là, ils avaient leurs autorités qui étaient en mission sur nous à la DGD là-bas. Ah, il est informé de tout ce qui se passe là-bas, la crise que nous souffrons là-bas. Ah, c'est éclaté ici.